m'a proposé de réaliser un nouveau défi, mais dans un contexte encore plus fun et décalé. Bien entendu, j'ai accepté. Je vous l'avais présenté l'année dernière, Diffuse est une plateforme qui met en relation des associations et des particuliers comme moi qui souhaitent agir à leur échelle ponctuellement ou plus souvent dans leur région. Ça permet d'avoir une certaine visibilité du monde associatif, mais avec un côté aussi très 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 ludique que j'aime beaucoup. Vous l'avez vu, j'ai réalisé à leur côté le défi du don de sang et d'autres défis également, plus écologiques comme de la collecte des déchets. C'est très très vaste. On peut agir à notre échelle dans tout un tas de domaines et c'est avec plaisir que je les ai rejoints sur ce nouvel événement. C'est donc sur le Cabaret Vert que je les ai rejoints, un éco-festival absolument immense. Il se situait au cœur du festival, ce que je trouve particulièrement intéressant pour toucher un maximum de monde. C'est vrai qu'un festival, c'est une ambiance vraiment très 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 festive qui se voit accueillir des milliers et des milliers de personnes de tous horizons, de tous les âges, de toutes les catégories socio-professionnelles, des jeunes et des moins jeunes. J'ai trouvé ça particulièrement fun de se trouver au milieu de ce festival, et alors d'une manière particulièrement symbolique, puisque cette année ils nous ont proposé de réaliser un défi complètement nouveau et absolument fabuleux. L'ONF avait décidé d'abattre un arbre qui représentait tout simplement un danger. Il aurait pu être foudroyé ou tomber sur la route et donc provoquer des accidents. En apprenant ceci, Diffuse a décidé de récupérer ce chêne dans sa totalité pour lui accorder une nouvelle vie. J'adore. Il a été complètement peint en rouge à l'image tout simplement du flux sanguin et installé au cœur du festival pour devenir l'arbre totem, le symbole du festival, qui est donc devenu une œuvre collective à laquelle nous avons tous contribué, nous festivaliers. L'idée de cet arbre, c'est de mettre en valeur la vie locale, puisque c'est un arbre ardennais qui va symboliser la vie humaine, la vie végétale, mais aussi le renouvellement. Chaque festivalier a pu apporter sa petite touche en collant ou en clouant sa petite œuvre qui a été réalisée avec des matériaux de récup. Diffuse est allé rencontrer différents artisans locaux et récupérer différentes chutes de métaux, de miroirs, etc. pour que nous puissions réaliser ces petites œuvres absolument magnifiques. J'ai vraiment adoré. J'étais comme une gamine avec ma petite création. Et alors j'ai choisi de faire un symbole rond, tout simplement pour représenter notre planète. J'y ai mis un maximum de miroirs pour représenter l'eau, l'eau qui nous manque en ce moment du fait du réchauffement climatique. J'y ai mis ma petite patte en pensant à vous aussi. Et alors finalement elle n'a pas du tout été comme je l'avais pensé initialement, puisque je l'ai arrangée en fonction des autres créations, des créations des autres festivaliers. Le but aussi, c'est de tous collaborer pour faire de cet arbre une œuvre pleine de symboles. À côté de moi, il y avait une petite fille qui faisait sa petite création. À côté de moi, une femme. Plus loin, un jeune homme. On ne se connaissait pas, mais on était tous autour de cet arbre plein de symboles et j'ai adoré réaliser ce défi. Ensuite, sur le stand, il y avait encore tout un tas d'autres défis pour aussi découvrir les actions menées par Diffuse et notamment les différentes associations qu'on va pouvoir retrouver sur leur plateforme. J'ai notamment fait le photocall comme l'année dernière, donc on pouvait faire des gifs, etc. On aime, hein, on est un petit peu gamin. On aime bien. Et puis ensuite, histoire d'être vraiment dans le fun et dans l'esprit festif de ce festival, j'ai mis des petites paillettes biodégradables, merci Diffuse, sur mes joues. J'ai adoré, je trouve que c'est particulièrement intéressant de toucher le monde avec des actions fun qui du coup démystifient un peu le monde associatif. Au contraire, ça peut être aussi très très ludique et fait dans la joie et dans la bonne humeur, bien entendu. Je remercie encore Diffuse de nous avoir invités à nous y rendre parce que c'était vraiment pertinent de s'y trouver. J'ai trouvé que c'était intéressant de se retrouver sur ce festival éco-responsable et vraiment engagé. Il y avait tout un tas d'actions mises en place sur le festival que l'on pouvait apercevoir à droite à gauche. D'ailleurs, j'ai appris qu'il y avait un centre de tri implanté directement sur le festival. D'ailleurs, j'ai pu aller le visiter. Ce qui m'a permis de comprendre d'ailleurs pourquoi il n'y avait pas d'éco-cup. J'étais assez surprise et finalement, il m'expliquait que pour qu'une éco-cup soit vraiment bénéfique pour l'environnement, il fallait qu'elle soit utilisée 22 à 27 fois par
par le festivalier. Il fallait donc qu'il ramène son éco-cup, ce qui n'est pas encore dans les mœurs. Et au final, après quelques calculs, ils se sont aperçus qu'il était plus intéressant de recycler un gobelet en plastique que de reproduire des éco-cups, l'idée étant de sensibiliser et d'inviter les personnes à ramener leur éco-cup à chaque fois. Il y avait tout un tas d'actions, des poubelles de tri absolument partout, partout, partout. Il y avait même des cendriers un peu ludiques pour les mégots. Et tous les restaurateurs locaux proposaient des assiettes et des couverts biodégradables en bois ou en papier. Je n'ai pas vu un seul couvert en plastique. Encore une fois, bravo à Diffuse d'avoir été présent sur ce festival. J'ai vraiment adoré relever ces défis. Peut-être à l'année prochaine.